pour fin semaine nan la, podium scandale lan, nous gagnons Magali Habitant Ksouli. Magali Habitant qui passe de présentation, nous connaît dans dossier qui impliquait cette mercenaire, nous connaît dans dossier qui impliquait kidnapping qui était fait sous deux ressortissants dominicains. Eh bien, ancien directrice SMCRS, jodi an la, li implique dans scandale corruption. Côté coup des comptes sorti rapport qui fait qu'on est madame non li implique dans dilapidation, dans gargoter avec voler l'argent l'état. C'est ça rapport a fait qu'on est et c'est plus passé 39 millions de goudes qui gargoté pendant moun pa ka manger en dedans pays. On parle contre toute bagaille, on parle contre toute bagaille dans boti mamite. M'pa konn sou konn ça, m'pa konn sou wè ça tout. Point de presse DG Léon Charles tombé dans bon moment. Hier, moi font émission sur responsabilité policière au gain. Non, non, moi, jeune garçon, ça, qui n'a pas d'amètre. Et puis, soit en dernière émission, on fait un paquet de tollé, gen moun qui bam chan impoté, qui dit que ma pensité moun fait violence, ma pensité moun pas respecter autorité établie, ma pensité moun, fait violence, fait abus avec policier. Alors que, pas même une fois, m'pas jamais mentionné un bagage comme ça dans l'intervention, non, dans l'analyse que m'a fait. Eh bien, je dis à là, on pral vin tande, on pral vin comprendre pi bien, on pral wè pi clair dans l'intervention et DGPN à Chambay sous responsabilité policier ou rien dans l'amour, jeune garçon ça. Rete là, on pral connaît. Et là, ça, c'est sûr que on pral faire l'autre, on pral faire l'autre opinion de faire de gravité situation qui impliquait plusieurs policiers ça yo. Gen bagay grave qui a passé là, bagay pas petit. Actuellement, la CNDDR a fait gros pression sous gouvernement. CNDDR, nous connaissons la Commission nationale désarmement, réinsertion pour réduction violence dans le quartier populaire. Il y a une grosse pression à mettre sous Claude Joseph, sous Premier ministre, du fait que si on pas valide choix stratégique, on sort de la commission écrasée. Qui dit commission écrasée, dit un nouvel rebalancement de l'insécurité, du kidnapping, de la violence, etc. Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue ou sous TAC 609, tout haïtien connecté ou dans l'émission Mon Éditorial. C'est un plaisir pour nous rejoindre, pour nous parler pays, pour nous faire débat, pour nous retirer doutes et de comprendre réalité sociopolitique dans le pays. Puis bien, comme d'habitude, avant même d'aller plus loin, quittez moi remercie pour écouter, pour support, avec attention ou ben moins une réalisation de travail. Avec un pile d'amour, je pas hésiter à dire moins rien, nous. En pile. Déjà là, train pral déraper. Nous pral commencer des micro-présentations. C'est toujours même Yannick, la même voix. Rien. Pas changé. Sorti le jeudi pour griffer vendredi. Depuis fait 2 heures, Monsieur Chanel pas là. Pour qu'a bien informé avec Yannick. Mon éditorial. A bien informé avec Yannick. Mon éditorial. Même Yannick, la même voix. Rien. Pas changé. Est-ce qu'on te connaît que problème corruption dans le pays? C'est un facteur qui empêche le développement et qui compte stabilité pour Haïti. Pensez que si y a deux problèmes Haïti a bataille en pile pour sortir là-dedans, lutte là difficile en pile pour sortir là-dedans, c'est corruption avec instabilité politique là. Pensez que tout reste ça c'est venu après et ces deux principaux ça qui crée tout l'autre problème pays à gagner. Jodi an la corruption et licence mot de passe toute institution dans l'état parce que premièrement ça crive nous pas un système judiciaire qui efficace, nous pas un système judiciaire qui dissuasif. OK, côté moun yo depuis yo connaît que si yo vole la justice là pour condamner yo, la justice a tranché indépendamment de appartenance politique ou indépendamment de moun qui derrière là, de moun kap corolan, pas gen moun qui enlève la justice. Et deuxième bagaille, là, je dis, c'est le fait que condition la vie moun yo pas plus bon que ça. Je dis, là, on moun qui non boîte l'État, kap touche à peu près, 25, 30, 40, 45 000 goud. Situation le précaire par rapport avec ça, la touche comme rentrée. Je dis, là, invite-le, vin participer non sur facturation. Invite-le, vin participer non détournement de fonds. So, à Bali, elle a considéré le plus largement parce que haïtien de par nature, yo pas satisfait avec ça au gain. Yo pa reme vivre avec ça yo gen. Yo toujours visé grand alors que yo pa nan position pour yo gen grand. Est-ce que nous comprenons le dilemme nan? Je dis là, non seulement et faiblesse la justice contribue dans la corruption, mais tout précarité niveau économique moun yo tout li pou beaucoup nan question corruption dans pays. Si pa ka gen stabilité économique, ou pa jam ka combattre corruption. Et combattre corruption jodi là, li mande à ce que pour gen des lois
pour législateur le monsieur al nan parlement monsieur dame al nan parlement en bas c'est pas question job be, exécutif pour vinn faire pour prendre l'argent pour ratifier prendre l'argent pour voter etc. Jodi an fò nou kachita pour nous faire des propositions de loi pour nous travailler dans l'intérêt peuple vinn avec des bagailles qui ca bénéfique pour pays qui ca profitable pour population faire des lois sur corruption faire des lois sur répression des crimes financiers crimes économiques dans pays. Eh bien, je dis là, c'est pas parce que ces amis pouvoir, sinon si t'es si coup des comptes sorti rapport qui a vilo, comme moun qui a fait détournement de fonds publics, comme moun qui a gagoté l'argent l'État, pour prétendre que au-dessus de la loi, pour prétendre que c'est parce que gen mauvais et gen mauvaise relation en du juge coup des comptes avec pouvoir exécutif là qui fait, il a fait persécution politique, il a fait on l'a trié bonne bagaille. Faut nous apprendre responsabiliser nous le nous fautif faut nous connaître nous fautif et subir conséquences yo c'est ça qui pas gagne dans pays hein qui fait nous prendre aller côté de braler nous toujours fuir responsabilité nous alors que nous aimer poser action nous aimer l'argent nous aimer fourer mais dans caisse mais curiosité nous couyo avili nous toujours prendre aller nous derrière. Eh bien non, eh bien coup des comptes yo sorti un arrêt de débat contre Magali habitant madame se fait appeler maman base non par contre pour qui raison est-ce que c'est parce que il a de très bonnes relations avec les bases du pays ou bien non pas connait mais ça crivé c'est que madame non li fourer mais la caisse l'état madame non li utiliser l'argent l'état comme l'argent personnel li remet ça et n'a saisi tendez pour acheter caoutchouc seulement avec l'autre pièce de rechange pour machine. C'est plus passé 16 millions de gouttes qui dépensaient pour 6 mois seulement. 6 mois, oui. Pour acheter caoutchouc, pour acheter l'autre pièce de rechange. Donc, combien de cobres ont gagné caoutchouc coûté? Combien de cobres pièces ça a coûté l'État? Pour 6 mois, pour dépenser plus passé 16 millions de gouttes. Gen l'autre dépense pour assainissement, plus passé 17 millions de gouttes qui pas qu'à justifier. Qui pas qu'à justifier. Et bien maintenant, qui ça nous attend de arrêt de débat ça? Qui ça nous attend? Étant donné son décision juridictionnelle, son tribunal administratif qui prononce elle. Donc, il y a deux situations possibles. Dans le décret qui est organisé, c'est CCA. Maintenant, dans la première situation, vous considérez, si c'est négligence comptable public, là, si c'est incompétence, si c'est parce que comptable public là, son monde qui est responsable, qui l'a causé faire mauvais calcul, mauvais coup de crayon, le passé écriture, n'importe qui, gens, mauvais dépenses enregistrées et cahier des charges mal entretenu. Donc, la loi prévoit ça, et y a restitué bien, yo. Y a sanctionné coupable, y a sanctionné comptable public, y a sanctionné l'autre monde qui impliqué dans détournement, l'autre monde qui impliqué dans corruption, y a sanctionné et monde qui victime yo, organisme qui victime yo, l'autre institution qui victime yo, y a préparé yo. Ça veut dire y a bail l'argent, y a bail en compensation en raison de dommages subis hein. Et c'est normal depuis gain faute, gain dommage, eh bien gain compensation, faut moun nan faut li réparer et c'est ça qui prévoit le comptable public là, le c'est irresponsabilité, le c'est négligence qui la cause corruption li fait. Dans l'autre situation qui s'arrive maintenant. Si on joigne des preuves, c'est volontairement nous t'es monté en association pour nous voler, pour nous faire gargotage, pour nous faire détournement de fonds publics. Là, c'est autre chose. CSCCA, le plus souvent, qui s'est offert, fait des suivis devant un commissaire du gouvernement ou bien devant un juge d'instruction, qui là, pour nous ouvrir une procédure et traîner coupable devant la justice. Eh bien, dans le cas ça, qui s'est arrivé pour Magali Habitant? Qui ça nous a espéré dans une situation qui impliquait Magali Habitant dans la corruption, ça? Parce que nous connaissons très bien Magali Habitant son proche pour voler en lien. Magali Habitant, il y a de très bonnes relations avec exécutif là, il y a de très bonnes relations avec président Jovenel Moïse. Est-ce que même gens avec et ancien directeur SNGRS, comment il s'appelle déjà, monsieur Laponiette, oui, Eudes de la Joie bien sûr. Est-ce que n'a pas jeune Eudes de la Joie qui sorti impuni, n'a pas jeune Magali habitant qui sorti impuni. Qui ça pral fait? Qui ça pral fait? C'est qui ça arrête de débat en lui-même, li ka chavirer dans balance et corruption en Haïti par rapport avec proche pouvoir ça. Que la Cour des comptes indexé. Est-ce que Magali habitant gen pou l'inquiéter? Bien sûr, li gen pou inquiéter. Et d'ailleurs, arel notifié Bali. Li konn sa la justice reproche là maintenant. Est-ce que suivi yo a privé fait? Est-ce que suivi yo pral fait? Et c'est tout l'intérêt. Le n'a parlé de un état de droit, côté la justice prime sous en mitaille, côté la justice doit respecter indépendamment de ligne politique.
Et c'est dans ce sens, Marie-Hélène Gilles avec Fondation J'éclairé, t'as expliqué nécessité qui gagne pour la justice conformée par rapport avec phénomène corruption, ça. Côté dans pays, là, moun a vivre dans extrême pauvreté, moun a vivre dans misère dans quartier populaire, yo. Et puis, gagne l'autre moun qui a joint l'argent pour gaspiller, gagne l'autre moun qui a fourré maintenant qu'est-ce l'État pour régler les affaires personnelles, yo. Eh bien, ensemble, on coûte ça, Marie-Hélène Gilles, t'es gagne pour le dire, ma pour retourner après pour commenter, yo. Madame Marie-Hélène Gilles, responsable de Fondation J'éclairé. En primeur, nous allons parler justement de rapport ça, Fondation Mété dehors. Côté que Madame Magali Habitant, après gestion l'INAN SMGRS, 25 mars 2017, Magali Habitant a écrit un coup de compte pour le demander, Monsieur Pierre Volma Desmézieux, qui était président CSCCA. Il demandait pour le bali des charges pleines et entières de gestion l'INAN qui allait de période 28 mars 2017 à 25 septembre 2018, et là, c'est comme quand d'ajout son espèce de boîte de Pandore qui va l'ouvrir, pour dire qu'il va regarder la gestion qui était faite dans SMGRS pendant une période ça. Et c'est seulement 6 mois qu'il a traité. Nous voyons un détail avec Mme Marie-Hélène Gilles, bonjour. Nous saluons tout le monde qui attend de nous, et puis nous saluons tout staff Magique 9 là, mais bien avant de répondre à la question, on a précisé pour c'est SMCRS. Oui, me dit ça tout à l'heure là, et nous commençons par me dire SMGRS, mais à l'époque SMGRS pour qu'on application c'était SMCRS et Magali Habitant a dirigé. Merci encore pour précision. On nous venait connait la et Marie-Hélène Gilles sous feu. En pile plusieurs et contrepassés et les on regarde c'est au total plus passé et 39 millions de goudes qui dépensés sous période de 6 mois ça. Léa Algadé nous dit dans le rapport là, Magali Habitant t'a géré pratiquement SMCRS pour SMDADO, c'est ton boutique privée. Bien avant nous entrer dans le fait, il faut nous attirer attention la presse et tout le monde en général, que l'audience publique qu'a fait dans la Chambre des affaires financières, dans le CSCCA, nous remarquons pas toujours attiré et la presse ou bien grand public là, organisation qui est engagée dans la corruption dans le pays. C'est des questions qui t'a doué intéresser tout le monde généralement quelconque, mais malheureusement, nous n'avons pas trop intéressé et gros public là par rapport avec Flan Gavji administratif que le niveau et Fondation GKE que nous-mêmes que nous avons constaté. C'est ça qui justifiait que nous décidions de présenter un rapport ça au niveau FGKL pour capable attirer attention tout le monde sous une série de activités qui ont passé dans la gestion de l'argent pays, dans la gestion de l'argent taxe et citoyens avec citoyens, alors que nous avons un pays, côté, c'est la pauvreté qui n'a place devant. Eh bien, il y a une commission qui est montée pour faire auditer 18 mois sous gestion de Mme Magali Habitant qui est en tête SMCRS à l'époque. Et malheureusement, c'est seulement 6 premiers mois Madame Habitant, yo, que commission lui-même li rive et chita pour être capable de voter. Dans le rapport, la commission a relevé un paquet anormali, tel que 12 millions de gourdes qui se frais de fonctionnement pour SMCRS Nord. Alors que, on a invité tout le monde pour définir SIG SMCRS, la loi pour ses services, qui a un rapport avec Métropolitaine. Donc, lui-même, il était dans le Nord. Donc, yo, tout comme ça, il dépensait. Pas y a aucune pièce qui est capable de justifier et dépenser ça. On joint nous 16 620 776,71 gouttes pour acheter caoutchouc avec pièces de rechange pour une série de machines non identifiées. Pas y a plaque de manipulation, pas y a police d'assurance dans la machine ça. Il y a 11 259 000 gouttes qui dépensées pour assainissement qui n'est pas jamais capable de justifier. L'on additionne tout ensemble, on a 33 879 776 gouttes qui des dépenses qui effectuées pendant 6 mois en dehors toute norme comptable établie. Donc, l'on analyse les pièces, il y a un paquet qui gagne dans un document qui est dans mon nom. C'est des codes qui dépensaient et sans pas aucun pour format, qui n'ont pas respecté aucun ordre qui a un rapport avec comptabilité, comme il a dépensé comme si nous avons son monde qui a géré ou comme en deux dans poche. Alors que même nous avons géré comme en deux dans poche, ou obligé de faire un budget, dans fait moi pour qu'on soit arrondi ou bien sous pas arrondi. Donc c'est dans ce sens-là, la Cour lui-même, il était tendé en audience,
et qui ont tiré des conclusions et nous-mêmes nous voyons que c'est important pour nous attirer attention grand public là en général sous gestion ancien directrice SMCRS là madame Magali Habitant. Maintenant comme quoi moi dans rapport Magali Habitant souligné dépenses étaient faites comme ça c'est sous demande du ministère de tutelle. Bon, il était posé madame Magali Habitant en pile question. Premièrement, il était posé la question sur qualification pour capable diriger boîte ça qui c'est SMCRS. Et vu que décret qui crée service métropolitain de collecte de résidus solidifiés sigli SMCRS là, il prévoit que directeur général boîte ça libre ou ingénieur sanitaire, mm-hmm. ou ingénieur civil ou bien il possède une formation scientifique qui est équivalent ou bien il a une expertise dans administration et gestion physique et des déchets. Donc, madame Magali Habitant monté dans poste là en contravention avec loi ça pour absence de qualification pour être capable de jouer le poste là. Il était questionné la solution SMCRS là. Et en clair, la cour te voulait connaître est-ce que loi qui régit SMCRS là lui-même lui était arrivé et respecté. Et il n'est pas capable de répondre à la question ça. Mais administrateur a été répondre correctement et puis il était dit que mission SMCRS là. Et c'est collecter les résidus solides seulement dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Qui vous l'a dit? Cafou, Port-au-Prince, Pétionville, Delmatabor, Cité-Soleil, Croix-des-Bouquets, zone et montagne noire. C'est ça que la loi dit, alors qu'il y a des opérations qui sont faites dans le nord. Et il te répond tout. Il te pas respecté tout l'autre contact qui est établi. C'est parce que le ministère de tutelle, qui c'est le ministère de l'Intérieur et des collectivités et territoriales, et eux-mêmes ont été exigés pour être capables de faire des dépenses comme ça. Or, toute loi qui a un rapport avec des dépenses publiques. Donc, c'est ça, madame Magali Habitant lui-même, et lui te répond. Les souligner, c'est parce que ils ont fait des dépenses comme ça, on dit ça tout à l'heure, c'est sous exigence ministère tutelle libre. De l'Intérieur. Et ministère de l'Intérieur. Et elle souligne tout, ils ont souvent qu'on acheté à crédit. Ça, ça veut dire. Et ça veut dire que par exemple ils ont fait ils arrivent à leur magasin et maintenant à savoir est-ce que la cour lui-même l'a analysé pour connaître si magasin ça existait ou bien c'est pas existé ou bien c'est mais donc parce que madame Gilles parce qu'il y a pas acheté à crédit donc principe et trois formats il pas jamais respecté trois formats il pas respecté quel que soit format acheté la fonction publique là lui exigé pour les trois formats et pas fonction publique seulement. Si vous voulez faire transparence dans la gestion que vous avez fait, dans la tête de l'administration, et toutes les dépenses que vous avez fait, quoi que la fonction publique là, un montant. Et ça, dans l'État qui ça vous fait, vous divisez le montant en plusieurs pour être capable de pas chercher, pour pas respecter les normes établies par rapport à des dépenses publiques. En pile là-dedans, vous faites pas de du tout, parce qu'il y a des gens quand même qui font des dépenses et qui respectent toutes normes. Mais dans ce sens-là, vous même qui ça vous fait, vous choisissez n'importe magasin qui est capable de faciliter la tâche. Est-ce que le magasin ça existe ou bien pas existe? Est-ce que des magasins bidons? Et nous beaucoup connaissons. Donc, c'est la cour qui parle bien pour définir et tout ça. Et dans des audiences que la privée fait. Donc, ça qui fait là, c'est des bagages qui fait dans l'irrégularité totale capitale et que la loi finit pour ça. Maintenant, à l'époque, qui est-ce que ministre intérieur? Nous songez, monsieur. VFM en 2018 qui est le ministre intérieur. Par contre, si c'est monsieur. Par contre, si c'est monsieur. Non. Je vais le répéter pour ne pas faire. Pour ne pas citer. L'essentiel, c'est que. Nous allons rapidement là. Mais pour qui ça court là-bas comme explication qui fait que sous 18 mois de gestion, madame Magali Habitant dans SMCRS, c'est seulement 6 mois que vous traitez. Donc, il n'y a pas lieu de retourner sous reste là. Mais toujours est-il, auditorat et pour mettre Rémi, il a demandé pour mettre en débat Madame Magali Habitant avec Ralph et Monsieur Ralph René, qui est directeur administratif, Rosemont Jolicoeur, qui est comptable en chef, Jocelyn Borjola, qui est coordonnateur projet dans l'UTC, à Guy Lafleur Pirette, et comptable public en chef là. Qui yo même yo pas réussi convaincre chambre financière là de bon gestion yo sous matériel et SMCRS pendant période d'audit là. Mais ma avocat Magali Habitant lui-même il demande la cour et que madame n'est de bonne foi et que puis yo tabal au quitus alors que tout pile comme ça ou dépensé sans pas gain qu'une pièce capable justifier qui côté
qui j'ai dépensé au fait en vertu en voilà. Donc yo même c'est ça qui ont demandé, mais la cour pour voir président li demandé et c'était sous 18 mois pour été audité madame non, alors que c'est 6 mois seulement. Mmh. Donc, mais est-ce que ça veut dire éventuel arrêt qui pral ben là c'est pral sous 6 mois et faut me rappeler rapidement ministre intérieur à l'époque c'était Ronaldo Brunet qui était ministre intérieur à l'époque c'est sous 6 mois ça yo pral balou ou bien y a tonne yo fin faire rapport sur l'autre 12 mois yo avant yo bay un rapport général. Non mais la coûte m'aider pour déposer pièce yo dans greffe là et pour déposer toute pièce qui est capable de supporter et toute dépense que lui veut faire. Mais nous même nous quoi ou t'es fait 10 mois ou t'as géré l'argent de l'État ou gaspiller en veux-tu en voilà ou bien pour bailler toute explication possible qui gagnera qui conformément à ça la loi prévoit en matière de dépenses et dans l'argent de l'État. Pas oublier nous sommes pays qui pauvre et je dis à qui ça nous constater c'est faute de gestion gabegie administrative détournement de fonds publics c'est ça qui vit la journée aujourd'hui. Donc nous croyons que pendant toute période et bah alors 6 mois seulement il y a le reste faut reparer tout si pendant 6 mois on fait toute gabegie ça yo on pas besoin d'où pour reste mois qui t'ai été yo qui quantité l'argent côté gaspiller sans qu'on pas capable clarifier. Donc nous croyons aujourd'hui à si il y a des instances qui bataille contre la corruption tout le monde doit être vigilant et veillatif par rapport avec des dépenses au sein de directeurs au sein de fonctionnaires dans l'État lui-même l'a fait parce que yo connaît y a toujours un fait qui pour couvrir. Donc nous même nous attirer attention et tout le monde dans la société a par rapport avec une série de mauvaises gestions qui a fait en dedans du public là particulièrement dans gros scandale ça qui passait dans SMCR. Donc là finalement moi même comprendre et à tous les niveaux nous jeune corruption en dedans pays. À tous les niveaux de l'État c'est corruption et là le président te dit président dit pour pays a gagne 5 problèmes corruption ainsi de suite corruption. Maintenant le parti identifier tout le monde qui dans corruption yo. Li parti identifier monde qui dans institution des monde qui c'est proche pouvoir qui c'est allié pouvoir qui a dirigé les institutions de l'État mais au même tout c'est au même qui sous corruption c'est au même qui chef corruption. Corruption pas seulement fait avec opposition, corruption pas seulement fait avec secteur privé, corruption fait avec tout le monde. Et bizarrement aujourd'hui là bizarrement, gon monsieur m'attendait qui prend le temps pour la justifier corruption. Corruption nèg nan pouvoir faire, corruption moun qui nan tête institution, directeur général, ministre, la justifier corruption. Monsieur a n'attendait monsieur a kap di, oh, comment pour m'ta faire non poste ministre, m'ta directeur général, m'ta directeur douane et puis tout pour m'ta quitter la presse pour m'pa ka vivre non belle caille, pour petit moi vivre n'importe qui gens, pour m'pa ka rouler en belle machine. Mais comme si qu'est-ce l'état, c'est l'argent maman yo papa yo. Donc yo libre aussitôt que yo non fonction étatique, yo libre pour yo fourer mes prend pour yo manger l'argent payé. Bien c'est la nouye, oui, c'est la nouye, tout moun attend tout pa yo pour yo vinn prier mamel beflan. Jodi an la moun nan campé de plein droit nan figi tout moun la justifier corruption. Donc moun sa et d'ailleurs gen aspiration politique, li gen aspiration pour vini grand leader dedans pays, grand responsable dedans pays. Donc moun sa, c'est qui position par rapport avec lui même, c'est qui position par rapport avec opinion li gen. Opinion sous façon moun supposé a gérer l'argent l'état. Donc moun sa moi même pral vinn faire confiance plus devant pour gérer institution l'état yo, m'pral vinn faire confiance plus devant pour me dire m'pral voter pour ou. Oh jamais parce que c'est une question de toi que je m'y mette ou vini ou prend place là ou priger ou tort ou aller. Oh non, pays a pas carré comme ça. Situation pays a pas ca pour c'est nous même encore cap empirer. Et d'ailleurs, moi même toujours dis ça. Et hier on t'a parlé avec un fanatique, il a fait dans même ligne avec moi. Pays avant tout nous gros problème de conscience collective. C'est nous-mêmes qui traînons pays en côté lié. C'est nous-mêmes qui mettons pays dans situation lié là, dans niveau de précarité lié là. Je dis un monde pas qu'à manger dedans pays, c'est par rapport avec façon d'affaire politique. Nous créons des équilibres économiques là, nous créons une sécurité. Donc à tous les coups c'est politique là. Politique là contribue parce que nous pas prendre conscience que nous tout pas qu'à diriger, nous tout pas obligé nos fonctions pour faire, nous tout pas obligé président pour nous aider pays, nous tout pas obligé premier ministre pour nous investir dans pays, nous pas obligé ministre. D'ailleurs, place ça pas fait pour tout le monde, poste ça c'est pas tout le monde qui occupe, c'est pour une question de discrimination. Sont en question de compétence, sont en question de niveau, sont en question d'efficacité.
l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, c'est ça principe là, c'est ça principe là. Et je dis là, nous gen problème ça en dedans paysan, c'est parce que en pile moun qui nan tête paysan, pile moun k'ap dirige qui nan tête institution yo, c'est pas place yo, c'est pas mission ça yo gen. Bon Dieu pas te voyer pour ça, bon Dieu pas te voyer pour ministre et retour ministre et puis soit faire la petite moi. Mais non, c'est vrai, c'est vrai, c'est pas tout le monde qui a rempli fonction. Et nan pour ça gen yon lòl monté li bay plus résultat qu'on l'autre, li gon plan stratégique qui meilleur par rapport avec l'autre là. Est-ce que nous comprenons? Donc nous tout pas taillé pour poste là, nous tout pas besoin bataille pour lui, nous tout pas ka la dans. Jusque ça quand Seigneur, jusque ça quand la libération d'Haïti, pays a besoin liberté, le pays a besoin moun ki valable dans tête li, moun ki valable k'ap penser pour lui. Bam faut retourner sur émission hier m'te fait hein. Qui te gen pour avec nécessité, qui gen pour responsabiliser et policiers qui te participé dans la mort jeune garçon ça dans Anamet. Côté que et non seulement yo fin maîtriser et individu et puis yo largué yo saut en l'air en camion, yo largué la terre jusqu'à ce qu'elle perdu la ville, etc. Moi-même t'es allé dans le sens que une fois que on maîtrisé un individu ou supposé protéger le kounia, ou supposé protéger non seulement et contre lui-même, ou supposé protéger le pour pas agresseur de nouveau. Eh bien, c'est ça que t'es fait. Aussitôt que policier, l'ité baille, et jeune garçon ça, on coup de bâton le maîtriser, bâton nécessité gain pour le déprouver, pour l'aguer en bas camion. Kounia sacrivé, ou dépasser limite ou, sous dépasser limite ou, c'est sûr que pral gain conséquence. Et c'est dans ligne ça, et d'ailleurs, moi même pas aucun problème avec l'institution de la police. Toujours de préférence à faire promotion pour eux, à faire promotion pour respect de droit, à faire promotion pour liberté et respecter. Et c'est sûr que mission institution de la police qui s'est protéger et servir, les policiers là pour protéger nous, là pour nous service. Nous pas qu'à nous-mêmes pour nous faire promotion pour bandits, pour nous faire propagande, pour nous accepter bandits, venir manquer au dégât pour bandits, venir mettre la vie en jeu. Mais tout, le droit à la vie, c'est sacré, ou pas supposé à détruire la vie moun. Nous, qu'à comprendre, non, en cas de mission, non, en cas de violence légitime, ou à combattre un bandit, ou à faire affrontement avec un bandit, tuer un bandit. Ou tuer un moun qui viole la loi, qui viole les principes, mais de 100 fois pour un moun la guerre sous tête au camion, ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Et, moi, bien content, parce que en pile parole t'es parlé, en pile condamnation t'es gagné t'apporter sous moi, et moi, bien content que, directeur général de la police, DG Léon Charles, li t'es bas à conférence de presse, li bas à conférence de presse, et li responsabilisé, il a cherché responsabilité policier ça, yo. 4 policiers en isolement, gen 3 qui nan mesure conservatoire. Et si on met des policiers en isolement, c'est parce que préalablement yon reproche yon bagay. Yon pa met des policiers en isolement pour dangriyen. Yon pa met des policiers en isolement parce que opinion publique là et gaye sur réseaux sociaux a cherché responsabilité et pour policiers. Non, c'est pas dans le contexte ça. Yon mette en isolement. Yon mette en isolement parce que une fois que enquête fait, yon dépasse ligne, yon dépasse limite. C'est normal pour yon chercher responsabilité yo, et par la suite pour yon traîner yon devant la justice pour yon faire ce que de doit. Maintenant, en nous tendant ensemble un court extrait de l'intervention de DG Léon Charles Tabay par rapport avec et position institution la police avec incident qui arrivait dans Wanamet là. Eh bien, c'est pas sans raison mesure conservatoire prend contre 3 policiers et 4 autres policiers en isolement. En nous tendant, m'a retourné. Après un appel qui était lancé par des pèlerins qui étaient à Saint-Raphaël, à bord de plusieurs bus, il y a un jeune garçon qui montait dans l'un des bus. Et une patrouille composée de plusieurs policiers de l'UTMO et des policiers administratifs ont fait une intervention pour faire que l'individu descende de bus. Malheureusement, un incident regrettable est passé. Et c'est ainsi dans ça que nous tous avons gardé sur les réseaux sociaux. Pour qu'on y ait, la police judiciaire du Nord déjà tendait membres de famille victimes. Et la division inspection générale du Grand Nord est en train de charge dossier. Et jusqu'à minute ça, 4 policiers placés en isolement, des mesures conservatoires qui prennent contre 3 autres.
selon procédure qui établit dans le cas de flagrance, le dossier pourra être transféré dans le commissaire gouvernement zone pour les suites judiciaires. Sur le plan administratif, l'autre sanction apprend contre le policier. La direction générale a déploré de tels comportements. Et comportement ça qui est indigne, pas fait honneur à l'institution, dont respect droit monde constitué un principe fondamental qui doit guider les policiers dans le travail que l'a fait. La direction générale l'a présenté ses patils à la famille M. Siméon Pegui, qui mourit après qu'il est arrivé à l'hôpital. PNH là a défendu tout policier qui est victime d'un exercice fonctionnel, mais tout l'a sanctionné tout policier qui fait genre de acte qui n'est pas correct. Ça. Et j'aime te dire déjà, c'est très 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 regrettable incident privé. Et je voulais profiter de l'occasion ça pour me rappeler que moi-même, analyse moi, je me fais voir toute objectivité. Je ne fais pas pour me craser une par rapport avec l'autre. Je ne fais pas oser pour me faire propagande pour bandit contre la police. D'ailleurs, c'est seule force nous rien dedans pays, c'est seul lui-même qui là pour combattre sécurité. Efficace ou pas, c'est lui-même nous rien. Je ne vais pas qu'à exposer policier nous avec aucun danger. Ça non en aucune manière, mais nous-mêmes tout nous gain responsabilité nous par rapport avec information qu'a bayo, par rapport avec analyse qu'a fait yo avant nous intervenir de manière pour nous porter un jugement actif sans nous pas même connaître, sans nous pas même vraiment prendre connaissance de ça qu'a dit yo. Nous quand arriver sous vidéo après nous donner un petit bout de parole, nous pas connaître ça qu'a dit avant, faut que nous vraiment positionner nous dans les faits pour nous comprendre ça qu'a dit yo avant nous réagir. C'est ça qu'a utile pays, c'est ça qu'a utile travail et c'est comme ça ou ka vraiment positionner pour voir si oui ou non et comportement ou gagnant en petite société à la petite pays. Eh bien mes amis, problème yo pas fini. CNDDR là li non tak tak avec gouvernement pour qui ça, parce que yo gon plan stratégique et que si gouvernement pas validé pour ba yo droit pour ba yo et le plein pouvoir pour yo combattre insécurité, pour yo faire désarmement, pour yo faire démantèlement, pour yo faire réinsertion, Jean-Robert Dorsen a déjà annoncé si c'est pour lui-même CNDDR crasé plate, CNDDR crasé plate, CNDDR pas pour aller n'en faire et dialogue avec bandi, CNDDR pas pour jouer le médiateur encore, CNDDR crasé, parce que moun yo estime, pas estimé non. C'est pas la première fois que j'entends Jean-Robert Dorsen a plein de bagages. Depuis leur commission monté, ils n'ont pas jamais l'argent pour fonctionner. Ils ont un budget qui est validé pour eux, c'est vrai, mais ils n'ont pas jamais joué un cop. Ils n'ont pas jamais joué un cop, ils n'ont pas touché. Et des fois, ils n'ont pas touché. Qui résulte pour le voter? Qui résulte concluant? Qui résulte convaincant pour le voter? Et même Jean-Paul Blatter qui a dit là, il y a deux bagages, c'est la vie, mais si à terre. C'est la vie, mais si à terre. On voit les gens combattre un phénomène qui gagne corruption, qui gagne insécurité, insécurité qui ça générer l'argent et pour pas payer moun nan. Qui ça vle? Ou vle l'efficace? Ou vle le faire travailler là bien? Et j'aime moi monsieur ça avec c'est tout mon a cité non Jean-Robert Dorsen comme bandit. Monsieur a estimé que y a sali image li. Il a véhiculé de fausses informations sous lui, faire rumeur sous dol. Et vraiment monsieur a gagné madame, monsieur a gagné femmes et enfants. Donc na imaginez nous. Bah, ça va pas, je me fais bien. Et vraiment, l'estomac, monsieur, en fâche. Mais, non, sans sérieux. Pour, ou choisir pour combattre dans le pays, ça faut des crans. Parce que même mon travail avec vous, des fois, c'est même mon ça, yo, qui a fait de fausses informations sur vous, parce que yo, même yo, gagne intérêt, yo, dans la situation pays, en j'en l'abde ou l'ya, oui. M'pas jamais dit que dans le Sénat avec CNDDR, pas une bonne volonté pour yo faire des armements, pour yo faire démantèlement, pour yo faire réinsertion, non? Mais il paraît tout à fait difficile. Il paraît tout à fait difficile parce que, au préalable, moun qui a pas, mais yo nous connaît, yo nous pas jamais rivé sous yo. Comme on pral faire des armements, si moun sa yo toujours là. Comme on pral faire démantèlement, si moun sa yo toujours là. Nous identifier des moun et qui n'en opposition, qui a 80% pour contribuer dans le kidnapping. Nous identifions les gens, 11 familles qui sont impliquées dans le commerce d'armes. Nous identifions les gens qui a généré, qui a financé l'insécurité dans le pays. Nous ne pouvons pas faire quoi que ce soit. Je dis là, décision
pour mettre en place stratégique pour combattre phénomène insécurité, pour combattre banditisme dans le pays, pour faire réinsertion, pour faire démantèlement, là, il paraît bancal. Il paraît très problématique parce que à la base, et c'est un problème pays. C'est un plus gros problème pays gain. Nous pas jamais aller à la base, nous pas jamais racher racine problème non, nous toujours tailler petit branche en l'air. Eh bien, faut que nous conscients, tailler petit branche en l'air, c'est synonyme d'inefficacité, c'est perte de temps, c'est perte d'argent. Là, il y a nécessité pour nous combattre phénomène insécurité à la base, banditisme, regardez comment nous ca éradiquer à la base, tout le problème ici de suite parce que générateur si nous connaissons insécurité, c'est politique la créer. Gérer problème politique là, nous pral tomber dans problème insécurité. Si nous connaît corruption, c'est politique là créer, gérer problème politique là et on pral joindre résultat avec corruption. C'est comme ça moun gérer problème. Je dis nous pas qu'à parler de démantèlement, de réinsertion pendant que moun qui a pas meilleur, nous pas jamais viser, nous pas jamais intenter aucune action légale contre eux-mêmes. Eh bien, nous pral suivre. M'invitez-nous là, nous pral regarder, on regarde. Donc c'est extrêmement fâché. Nous disons déjà le mauvais concon. On nous regarde ensemble et puis m'a retourner pour commenter yo. Très clair. Journée aujourd'hui, nous réunions un paquet de monde là, belle costume, belle chemise. Mais c'est pas pour venir faire fleur ou sauver une vraie image devant le monde entier. Document ça après. Il finit là après 3 jours, mais espérer le gouvernement prendre en charge. Et pour nous-mêmes dans le quartier, pour nous aller, pour nous travailler tout bon vrai dans le quartier. Parce que ce n'est pas pour prendre un document, faire belle écriture, pour nous mettre dans une boîte, pour nous dire qu'un document qu'il a. Le document, il faut le signer, il faut qu'il y ait action là-dedans. Et nous, clair, l'aile finit là, coordonnateur pour prendre responsabilité, ensemble avec le ministre Ménos et staff commission pour porter l'imprimature pour privatiser. Et s'il pas signé, il n'est pas trop loin, depuis le pas signé, moi-même, je vais démissionner parce que je n'ai pas de temps pour me perdre. Parce que nous faisons 2 ans pour nous, sans moyens, sans rien dans tout le quartier. Nous avons toutes nos beautés. Et pourtant, tout le monde connaît ça qui est là. Les politiciens ont influencé les gangs dans le quartier pour faire kidnapping, pour tuer les gens. Et mon secteur privé ou par exemple des douanes tête au lieu de renforcer un commissariat, il renforce un nègre dans le quartier populaire. Mbap dit plus, ministre Basile, et Guidem dit où, parce que vous dites en 2005, il y a un groupe militaire ça a été sous l'ordre de quelques monde. Mais je vous dis, tout le monde a pris les corridors, c'est la nuit que je parle avec des gamins dans le quartier. Ils ont tous les cap couvrir tête. Il n'y a jamais quitté le visage de Paris, qui est différent de Kounia. Kounia a utilisé les jeunes garçons dans le quartier, tué tout vivant. Nous-mêmes, dans le CNDDR, moi-même, je prends engagement. Par contre, pour tout le monde, je m'a dit, CNDDR, soit que vous prenez nous, vous avancez avec nous, ou sinon, vous retirez nous là. Nous pas perdre du temps encore. Merci beaucoup. Mais si m'ta prêté lyric Jean Coute là, m'ta dit, pays a bouleversé, si te soleil bouleversé. Haïti bouleversé. Mais c'est vrai, pays a bouleversé, extrêmement bouleversé. Et n'a pas regardé comment, n'a pas proposé, n'a pas engagé, n'a pas cherché solution. Et nous là pour nous réveiller conscience collective là, pour une majorité, pour nous regarder comment toute population est vraiment prend conscience que nous-mêmes, tout en tant qu'haïtiens, nous-mêmes, en tant qu'individus, nous participer, nous craser pays, là, nous pas respecter le devoir, nous, là, nous pas respecter obligation, nous gagner, là, nous pas contre droit, nous. Jodi en là, il y a pas de référendum, d'élection. Est-ce que vraiment nous prenons cette notion, est-ce que vraiment nous parer pour nous investir nous dans la vie politique dans le pays nous, est-ce que c'est pas dans tout nous bras rentrer, bon ensemble de bagailles qui méritait pour nous jeter regard nous sous lit, gon paquet de bagailles qui méritait pour nous conscientiser, gon paquet de bagailles qui méritait pour nous épauler une l'autre, ça me pas connait expliquer ni ça pas connait m'a expliquer et puis ensemble n'a pas avancé, moi je m'engage et vous
Moment arrivé pour mettre en bout dans l'émission mon éditorial pour aujourd'hui, m'espérer au te senti c'est toujours même plaisir, même privilège pour me venir pour nous partager une édition d'analyse, une édition d'information côté que m'apprendre dans commentaire et ensemble n'avancer. Principalement pas changer. Fin garder vidéo, partager avec tout content qui était en commentaire. Kite yon like. Rendez-vous à l'ikase pour demain pour l'autre émission. Nan même le, c'est toujours même Yannick l'an même voir. On n'est pas changé. Merci tout le monde. À la prochaine. Pas changé.